chapitre 1, versets 27 à 28. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Dieu dit à l'homme de remplir la terre et la sujettissez, multipliez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Toi, la grande pierre que Daniel a vue, qui tombait sans le secours d'aucune main. Nous voulons que, Seigneur, à ce moment, tu puisses parler à ton peuple. Et quand tu m'as dit, chemin, Seigneur notre Dieu, parle à ton peuple afin que ton peuple soit édifié, parce que toi, tu les connais plus que moi. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, qu'il puisse quitter ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous voulons parler de toi, Seigneur Jésus-Christ, tout démon, toute la puissance du monde du ténèbre puisse nous quitter dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que toi, Seigneur, avec tes anges, vous puissiez envahir cette salle, Seigneur notre Dieu, afin qu'aucun démon ne puisse régner sur nous. Nous nous remettons complètement entre tes saintes mains et reçois l'honneur de cette réunion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler de la parole de Dieu et nous allons continuer toujours notre enseignement sur un nouveau pays. Pour gagner le temps, nous ne pouvons plus encore reculer, mais nous allons aller de l'avant. Un nouveau pays. Nous sommes toujours là et nous avons dit que dans ce nouveau pays, il y a des lois très, 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 très fortes. La première loi que nous avions vue, c'était la culotte. Nous avions lu la Bible et les citations de Frère Branham, que la culotte, c'est le sous-vêtement de la femme. Un homme, un garçon ou un frère ou un pasteur ne peut pas porter une culotte. S'il les porte, il est en abomination devant l'Éternel. La deuxième loi que nous avions vue, c'était la télévision. Nous avons lu les citations de Frère Branham et nous avions aussi lu la Bible. Que regarder la télévision, c'est correct. Mais dans nos maisons, nous ne pouvons pas avoir de télévision. Branham n'avait pas de télévision. C'est lui la parole de l'âge. C'est lui le modèle de l'âge. Et nous aussi, nous ne pouvons pas avoir la télévision dans nos maisons. Nous avions lu des citations de Frère Branham. Frère Branham regardait aussi la télévision, mais il regardait la télévision où? Chez les voisins. Tu peux regarder la télévision, va chez les voisins, mais pas dans ta maison. Parce que Branham appelait la télévision l'enfer vision. Frère Branham dit, c'est ça le vrai nom caché. C'est l'enfer vision. Et quelque part, Frère Branham dit, c'est l'évangélisation de Satan. Quelque part, Frère Branham dit, c'est l'instrument de Satan. Si vous avez un pasteur qui vous permet d'avoir des télévisions dans vos maisons, c'est une distraction. Donc, par là, le pasteur veut seulement vous dire que vous pouvez avoir l'instrument du diable dans votre maison, vous pouvez avoir l'évangélisation du diable dans votre maison, vous pouvez avoir l'enfer vision dans votre maison. Nous fuyons l'enfer, nous fuyons les instruments du diable, nous fouillons tout ce qui est du diable. Alors si nous le mettons dans nos maisons, ça c'est vraiment une grande distraction et le diable est sur nous. Mais Branham, qui était le modèle de l'âge, la parole de l'âge, il n'avait pas la télévision dans sa maison. C'était la deuxième loi. Et aujourd'hui nous allons parler de Titanic avec sous-thème le respect. Mais avant de parler de Titanic, nous allons d'abord parler de Nimrod, parce que l'esprit qui a possédé
les boss de Titanic, c'est le même esprit qui avait possédé Nimrod. Nous allons d'abord parler de Nimrod. La Bible dit, quand Dieu a créé ce monde, vous connaissez l'histoire, pour gagner le temps, il a créé Adam et Ève, et juste après leur péché, Dieu était descendu vers le soir. Et Dieu a dit à Adam et Ève de se multiplier et de remplir toute la terre. Je vais encore lire ça. C'est dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujetissez. Je répète le verset 28, c'est très important. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujetissez. C'était ça la parole de Dieu. C'était la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève, de remplir toute la terre. Dieu voulait que la terre soit remplie. Dieu voulait que la terre soit peuplée. Dieu ne voulait pas que les gens soient dans un même endroit. Dieu voulait que les gens puissent se disperser à la surface de toute la terre. Dieu voulait que la terre soit peuplée de gens. Il ne voulait pas que les gens soient dans un même endroit. Il a dit à Adam et Ève de remplir toute la terre. Toute la terre. C'était ça la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève. C'était une bénédiction. De remplir toute la terre. Soyez féconds. Remplissez toute la terre. Alors, c'était ça la parole de Dieu. Mais un jour, un homme était venu au nom de Nimrod. Cet homme Nimrod, il ne respectait pas Dieu. Il était impoli, il était mal éduqué. D'abord, le nom Nimrod, en arabe ou en hébreu, ce mot veut dire rebelle. Et vous verrez que le nom la rebelle, Nimrod, a identifié aussi la personne. Parce que la fois passée, nous avions dit que si tu donnes à ton enfant ou à ton fils un mauvais nom, ce nom aura toujours de l'influence sur cet enfant. Tu lui donnes le nom de Pélé, cet enfant sera un grand joueur. Tu lui donnes le nom de Zoro, cet enfant, il va commencer à faire des jeux toujours avec des pistoles, des jeux de guerre, ainsi de suite. Tu lui donnes le nom de Tyson, cet enfant sera un grand bagarreur. Donc, le nom a toujours de l'influence sur la personne. Tu donnes à ton business un mauvais nom, ce nom aura de l'influence sur ton business. Même dans un pays, vous donnez un mauvais nom pour votre pays, ce nom-là va influencer tout le pays. Donc, le nom a toujours de l'influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. La maman de Nimrod, peut-être elle était ignorante, elle a donné à son fils le nom de Nimrod. Or, Nimrod veut dire rebelle. Et Nimrod était aussi rebelle devant Dieu. Il était au courant que Dieu avait dit à Adam et Ève, au courant que Dieu avait dit à Adam et Ève de remplir toute la terre. Mais lui, quand il est venu, il n'avait pas besoin de respecter ce que Dieu avait dit. Il dit, pourquoi remplir toute la terre? Je vais plutôt construire une arche et nous serons tous dans cette arche. Tous, nous allons habiter dans cette arche afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de la terre, afin que ce monde ne soit pas peuplé. Ce n'était pas la volonté de Dieu et ce n'était pas le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu et la volonté de Dieu était que l'homme puisse remplir toute la terre et que les gens soient dispersés partout à la surface de la terre. Nimrod a dit non, je vais construire une tour. Je vais inviter tout le monde
de venir habiter dans cette tour et nous ne serons pas dispersés à la surface de la terre. Le fait seulement de mettre la parole de Dieu à côté, Nimrod, automatiquement, il avait mis Dieu à côté parce que Dieu, il eut la parole. Le fait seulement que Nimrod a mis la parole de Dieu à côté, il a mis Dieu à côté. Et malgré qu'il a mis Dieu à côté, il prospérait toujours dans sa construction. Donc le fait de mettre Dieu à côté ne veut pas dire que tu vas échouer dans ce que tu fais. Tu auras toujours des succès, tu vas toujours aller de l'avant. Si c'est une église, il y aura toujours des miracles qui vont s'opérer. Il y aura toujours des signes et des prodiges qui vont vous suivre. Mais en réalité, vous n'êtes pas avec Dieu. Et Dieu vous attend quelque part. Vous progressez, vous progressez, vous progressez, mais Dieu vous attend quelque part. Alors, Nimrod veut dire rebelle. Et Frère Branham dit que c'est lui aussi qui a commencé l'idolâtrie sur toute la terre. Frère Branham va encore plus loin, il dit que l'église catholique a commencé avec Nimrod. Donc, c'est lui qui a commencé l'idolâtrie sur la terre et c'est lui qui a commencé l'église catholique. Donc, en Nimrod, ne sortaient que des mauvaises choses. D'abord, son nom, c'était un mauvais nom. Et il a commencé l'idolâtrie sur toute la terre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme de l'idolâtrie, c'est lui qui a commencé ça. L'église catholique que nous voyons aujourd'hui, c'est Nimrod qui a commencé ça. Alors, Nimrod, l'esprit qu'il avait possédé, Frère Branham dit que cet esprit n'a pas commencé avec Nimrod. Cet esprit a commencé avec Caïn. Et quand cet esprit a quitté Caïn, cet esprit est allé posséder Nimrod. Quand cet esprit a quitté Nimrod, il est allé posséder Nebuchadnezzar. Quand cet esprit a quitté Nebuchadnezzar, il est allé posséder Akkad. Quand cet esprit a quitté Akkad, il est allé posséder Judas Iscariot. Et Frère Branham dit cet esprit est allé jusqu'à l'Apocalypse. Et pendant que nous parlons aujourd'hui, cet esprit a possédé beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs et beaucoup de frères. Pendant que nous parlons ici, parce que les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Frère Branham dit que aujourd'hui, cet esprit a changé seulement le nom. Mais c'est le même esprit qui a possédé Nimrod. Mais aujourd'hui, sous un autre nom de christianisme. C'est ce que Frère Branham dit. Mais c'est le même esprit. Je vais lire Frère Branham dans l'idolâtrie, la marque de la bête. Paragraphe 142, Frère Branham dit, comme partout dans les Écritures, depuis le début des gentils, au tout début dans la Genèse, je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cham. Par l'idolâtrie, le fait d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tous les langues. Et c'est tellement trompé dans les derniers jours que ça révèle le nom du christianisme et c'est malgré tout de l'idolâtrie. Donc l'esprit qui a possédé Nimrod aujourd'hui a changé de nom. Frère Branham dit, cet esprit révèle le nom du christianisme et c'est malgré tout de l'idolâtrie. Donc les esprits ne meurent pas. L'esprit qui a possédé Nimrod, aujourd'hui cet esprit possède beaucoup de pasteurs et beaucoup de frères. Alors Nimrod, malgré qu'il a mis Dieu à côté, malgré qu'il a mis la parole de Dieu à côté, il progressait toujours dans sa construction. La construction devenait la construction devenait toujours grande et Nimrod a fait un nom. Tout le monde a commencé à adorer Nimrod. Tout le monde parlait de Nimrod à cause de sa construction. C'était tellement grande et tous ont commencé à l'adorer. Et Frère Branham dit encore,
que quand Nimrod construisait cette tour de Babel, Dieu était en train de rire. Dieu était en train de rire la construction de Nimrod. Je n'ai pas cette citation ici, peut-être prochainement. Donc, Dieu était en train de rire ce que Nimrod faisait. Et pendant qu'il faisait ça, Dieu n'était pas directement descendu pour détruire. Il a laissé le temps. Nimrod progressait, il progressait, il progressait, il progressait. Et Frère Branham dit encore qu'à ce temps-là, il y avait aussi des petites tours. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la tour de Nimrod, c'était la grande tour, c'était la super tour. Et tout le monde a commencé à glorifier Nimrod à cause de cette tour. Mais il y avait quand même des petites tours de gauche à droite. Et tellement la construction de Nimrod était grande, toutes ces petites tours ont commencé à payer leurs impôts chez Nimrod. Ils ont commencé à payer leurs taxes chez Nimrod. Il y avait des petites tours partout, au Gabon, au Congo, ainsi de suite. Mais la grande tour, c'était chez Nimrod. Et la tour de Nimrod, c'était comme un siège social. La tour de Nimrod, c'était tellement grand, c'était comme un siège social. Alors, tous ces petites tours payaient leurs taxes et leurs impôts chez Nimrod. Et tous ces gens-là, des petites tours, ils ont commencé à adorer Nimrod à cause de sa grande construction. Fabelham dit, c'est le même esprit qui possède les gens aujourd'hui, mais cet esprit révèle le nom du christianisme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un pasteur qui a une église, par exemple, en Angola, cette église en Angola, c'est comme un siège social, c'est comme un quartier général. Lui-même, il est en Angola avec cette grande église, mais il a encore des petites églises de gauche à droite, au Gabon, en France, en Belgique, peut-être en Mali. Et toutes ces petites églises-là qu'il a construites, qu'il a commencé par son ministère, toutes ces petites églises commencent à payer leurs dîmes au siège social chez les grands pasteurs au Congo. Les Mali, ils envoient leurs dîmes là-bas, au siège social, au quartier général, au Gabon. La petite tour qui est là, ils envoient leurs dîmes au quartier général. À Brazzaville, la petite tour qui est là, ils envoient leurs dîmes au quartier général au Congo. Les grands pasteurs, ils sont au Congo avec ces petites tours dans tous les pays. Et toutes ces petites tours ou toutes ces églises, ils commencent à envoyer leurs dîmes au quartier général. Et ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Si tu as commencé une église quelque part, Dieu t'a fait grâce, tu as commencé une église quelque part, il faut mettre un ministre là-bas. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de ministre. Il y en a beaucoup qui sont en train de chômer. Tu commences une église, tu envoies un ministre. Tu commences une église quelque part, tu envoies un ministre. Ne fais pas de ces églises-là ton business ou ton entreprise. Abraham dit chaque église est indépendante. Toutes ces petites églises que tu as commencé de gauche à droite n'ont pas le droit de t'envoyer des dîmes. Ils n'ont pas ce droit-là. Tu dois mettre un Éphésiens 4 là et c'est ce Éphésiens 4 qui va commencer à manger toutes ces dîmes. Alors aujourd'hui dans le message, le diable est entré. Les pasteurs, ils ont commencé leur business. Ils ont commencé à ouvrir des églises de gauche à droite, des petites tours. Lui-même, il est quelque part dans les quartiers généraux, il est en train de recevoir seulement des dîmes. Il reçoit des dîmes. Il reçoit des dîmes. C'est l'esprit de Nimrod. Nous allons lire ça bientôt. Frère Branham dit que Nimrod, tellement il était grand, il était puissant, toutes ces petites tours ont commencé à envoyer les taxes et les impôts chez Nimrod. Et la tour de Nimrod, c'était un quartier général, un siège social.
Donc, l'esprit de Nimrod aujourd'hui possède beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs. C'est pourquoi la fois passée, nous avions dit que là où tu pries, il faut bien vérifier ton église par rapport au message de l'heure. Il faut vérifier ton pasteur, ce qu'il fait par rapport au message de l'heure. Au cas contraire, la porte de l'enfer est ouverte pour vous. Ne soyez pas des fanatiques des pasteurs, soyez des fanatiques de la parole de Dieu. Aussi longtemps que la colonne de feu est sur ce pasteur, aussi longtemps que ce pasteur répète le message, nous sommes derrière lui. Quand il abandonne le message, il commence à mettre ses ordres dans l'église. Il commence à donner ses idées dans l'église de Dieu. Automatiquement, nous les mettons à côté. Et Frère Branham dit, saquez-les, mettez-les dans un sac, jetez-les dehors. Donc aujourd'hui, l'esprit de Nimrod possède beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs. Beaucoup. Et dans ces petites églises, ils écoutent que les bandes de leurs pasteurs. Au lieu d'écouter même les bandes du prophète, ils écoutent les bandes de leurs pasteurs. Donc le pasteur, il veut entrer entièrement dans les cœurs des croyants. Il veut faire un nom. C'est comme un business. Il oblige toutes ces églises-là d'écouter seulement ces bandes. Et ces églises-là, quand ils ont des problèmes, ils vont téléphoner au quartier général. Nous avons un problème ici, nous avons un problème ici, nous avons un problème ici. Et le pasteur, il va donner des ordres au téléphone. Alors qu'il y a beaucoup de ministres qui sont en train de chômer, ils peuvent faire ces services-là. Mais le pasteur veut tout faire lui-même. Il veut tout manger des dîmes, des offrandes, des dons. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des pasteurs, des riches, des milliardaires. Mais à l'ancien temps, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, si tu n'as pas une jupe, tu n'es pas pasteur. Si tu n'as pas beaucoup de membres, tu n'es pas pasteur. Frère Branham dit, là, deux ou trois sont réunis, Jésus est là. Et si Jésus est là, c'est ça qui est important. Frère Branham n'a pas dit 20 000 personnes ou 100 000 personnes. Non. Là, deux, trois seulement qui sont là, Jésus est là. Il n'y a pas de petits pasteurs aujourd'hui. Il n'y a pas de grands pasteurs aujourd'hui. Nous tous, nous servons le même maître et nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, Nimrod n'avait pas de respect à la parole de Dieu. Il a mis la parole de Dieu à côté. Il a commencé à donner ses ordres lui-même. Et pendant qu'il donnait ses ordres-là, Dieu les regardait. Dieu n'était pas descendu directement pour détruire, mais Dieu l'attendait quelque part. Nimrod, il était impoli, il était mal éduqué, et beaucoup de pasteurs aujourd'hui aussi sont des impolis. Ils voient les messages, ils voient ce que Frère Branham dit, mais ils n'ont pas besoin de ça. Ah, Branham a dit ça, mais moi je vais dire ça. Branham a dit A, lui il dit B. Frère Branham me dit que quand Dieu envoie un prophète, il envoie ses prophètes avec tous les programmes de l'âge. Ces prophètes, quand il vient au complet. Il vient complet avec les repas à 7 plats. Il vient avec tous les programmes pour cet âge-là. Frère Branham n'a pas dit que nous devons seulement écouter ces bandes dans l'église. Ça, c'est aussi l'esprit de Nimrod. Il faut se poser des questions. D'où viennent ces choses? Dans les messages, ça n'existait pas. Frère Branham, quand il est parti, avant même de partir, il a laissé les Éphésiens 4. Branham a laissé les Éphésiens 4. Prochainement, nous allons parler de ça en détail. Frère Branham n'a pas supprimé les Éphésiens 4. Pour qu'on puisse commencer toujours à écouter les bandes de l'église. Mais d'où viennent ces choses qu'on commence à écouter seulement les bandes du prophète dans l'église? Les bandes du prophète, c'est la parole de Dieu. C'est le ministère mondial. Nous les écoutons partout, à la maison, dans la voiture. Et nous pouvons aussi écouter ces bandes dans l'église. Mais si ça devient une doctrine, chaque séance, chaque culte, les bandes du prophète, les ministres sont là. Ils ne font rien, leurs ministères sont en train de rêver, alors que ici, par exemple, à Montréal,
Nous avons beaucoup des endroits où il n'y a pas les messages, où il n'y a pas des églises de messages. Les ministres sont là en train d'écouter les bandes. Sortez, va faire les services quelque part. Alors, si vous supprimez les Éphésiens 4, automatiquement vous supprimez la citation qui dit que au temps de la fin, vers la fin, des young people, ils vont prendre les relèves. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Et ces young people-là, ce sont des ministres. Donc, si vous commencez à dire que nous allons seulement écouter les bandes à l'église, donc vous supprimez automatiquement cette citation. Des young people ne vont pas se mettre sur les bancs pour commencer seulement à écouter les bandes du prophète. Des young people, leur mission, c'est être derrière la chair pour apporter la parole. Et Frère Branham dit qu'ils auront une compréhension nette de la parole. Donc, aujourd'hui nous avons quelques vieux, ils veulent supprimer ce que Frère Branham avait dit. Après Frère Branham, personne n'a le droit de nous donner des ordres dans ses messages. Frère Branham a déjà donné des ordres, il a tout donné. Et quand, avant de partir, il nous a dit de répéter les bandes. Frère Branham n'a pas dit qu'il y aurait quelqu'un qui va encore commencer à dire des choses, il va commencer encore à vous diriger. Frère Branham dit, après moi, répétez les bandes. Et il dit encore qu'après moi, il n'y aura plus des étoiles. Dieu n'employera plus des étoiles. Donc il y aura plus un prophète qui va encore venir pour commencer encore nous interpréter la parole ou nous donner des ordres. Après Branham, c'est fini. Alors, aujourd'hui, l'esprit de Nimrod commence à posséder beaucoup de pasteurs. Et c'est ça le manque de respect à la parole de Dieu. Qui vous a dit qu'il faut commencer à faire des voyages de gauche à droite pour commencer à influencer les gens à écouter seulement les bandes dans l'église? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Les Éphésiens 4 sont là. Ils ont droit d'être toujours derrière la chair pour apporter la parole. Branham n'a pas supprimé les Éphésiens 4. Branham a laissé les Éphésiens 4. Le programme a été déjà donné. Personne n'a le droit de changer ce programme. Personne. Ce message, c'est le message de William Branham. C'est le message de Dieu lui-même. Alors, personne n'a le droit de changer le programme de Dieu. Si vous supprimez les Éphésiens 4, il faut supprimer aussi la dîme. Parce que le ministère, c'est la source. On peut te réveiller, tu étais au lit, on te réveille, tu vas prêcher. Et quand tu commences à ouvrir ta bouche, tu vas prêcher. Parce que le ministère, c'est une source qui est en toi. Tu ne peux pas manquer des choses. Tu ne peux pas manquer la parole pour prêcher. Alors aujourd'hui, beaucoup de ministres, ils sont contents parce qu'ils n'ont plus de prédication à prêcher. Alors, ils ont commencé à fouiller la chair. Oh non, il faut écouter seulement les bandes à l'église. Les bandes des prophètes, je répète que c'est la parole de Dieu. Dans l'église, nous avons droit aussi d'écouter la bande des prophètes. Mais, nous ne pouvons pas supprimer les Éphésiens 4. Et quand vous écoutez la bande dans l'église, il y a une loi que Frère Branham a mise. Il y a une loi. Il y a des procédures pour écouter la parole du prophète dans l'église. Prochainement, nous allons peut-être lire ces citations. On ne vient pas à l'église, vous écoutez seulement la parole comme ça, après vous partez. Un païen ou un incrédule qui ne connaît pas les messages, il vient aujourd'hui, vous mettez la bande. Il ne va rien comprendre. Alors, les Éphésiens 4 sont là pour répéter ce que Branham a dit. Les Éphésiens 4 sont là pour aider le peuple de Dieu. C'est comme un jour, on avait un problème quelque part. Deux frères avaient un problème. Et le pasteur qui était là pour régler ce problème, il a demandé à l'autre frère, qui est ton pasteur? Le pasteur dit, mon pasteur, c'est tel. On a demandé à l'autre frère, qui est ton pasteur? Oh, moi, j'écoute les bandes. C'est déjà une distraction. Alors, Dieu n'a pas changé son programme. Personne n'a le droit de changer le programme de Dieu après Frère Branham.
Nous écoutons les bandes et les Éphésiens 4 sont là. Ils sont en train de répéter les bandes, ils sont en train de réunir des citations pour éclaircir le peuple de Dieu de ce que William Branham avait dit. Amen. Donc Nimrod, il était impoli, il était mal éduqué, il ne respectait pas la parole de Dieu. C'est ce que font beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Ils ne respectent pas les messages, ils ne respectent pas ce que fait Branham avait dit. Ils commencent à donner leurs idées, ils commencent à dire leurs pensées à l'église. C'est l'esprit de Nimrod. C'est un mauvais esprit. Et si vous avez un pasteur qui commence à donner des ordres dans ses messages ou dans votre église, des ordres qui n'est pas la parole, mettez-les à côté. On n'est pas là pour s'aventurer, on n'est pas là pour être des fanatiques des pasteurs. Non, nous sommes là pour être des fanatiques de la parole de Dieu. Et nous sommes toujours derrière les messages de l'heure. Même frère Joseph, il n'a pas des ordres à donner dans ses messages. Frère Joseph, nous avons toujours besoin de lui pour le service qu'il est en train de faire pour nous. Nous sommes contents. Mais il n'a pas droit d'ajouter quelque chose dans ses messages ou de retrancher quelque chose dans ses messages. Un jour, je disais ça, un frère m'a dit que tu vas mourir. Moi, je dis non. Je répète les prophètes, je ne peux pas mourir. Et quand tu répètes les prophètes, tu as la vie. Quand tu ne respectes pas les prophètes, tu ne répètes pas les prophètes, c'est toi qui es mort. Et frère Joseph lui-même n'a jamais ajouté quelque chose dans ses messages. Il n'a jamais retranché quelque chose dans ses messages. Ce sont des frères qui sont en train de construire les doctrines tout autour du nom de frère Joseph. Laissez frère Joseph tranquille, nous avons encore besoin de lui. Des millions aujourd'hui, ils sont dans les sièges sociaux, dans les quartiers généraux, avec des petits soins de dîmes de gauche à droite. Ils sont devenus des milliardaires, de multimilliardaires à cause de ce système. Angola envoie ses dîmes au quartier général. Brazzaville envoie ses dîmes chez Nimrod. Au Gabon là-bas, la petite tour qui est là, ils envoient leurs dîmes chez Nimrod. En France, ils envoient leurs dîmes chez Nimrod. Au Canada, ici, ils envoient leurs dîmes chez Nimrod. Vous serez surpris un jour. Et pendant que Nimrod construisait sa tour, Dieu n'était pas directement descendu. Il n'était pas descendu directement pour détruire cette tour, pour détruire cette église de Nimrod. Il a laissé le temps. Et peut-être il y avait aussi des miracles qui s'opéraient. C'est sûr, parce qu'il y avait aussi des mamans peut-être qui mettaient au monde, c'est déjà un miracle. Et frère Branham dit, cette construction, tellement c'était grande, c'était déjà un miracle. Mais l'homme avait abandonné la parole de Dieu, il avait abandonné Dieu. Mais il y avait quand même des miracles qui s'opéraient. Les miracles, ce n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Et les miracles, ce n'est pas le message. Les miracles, c'est un élément parmi d'autres éléments dans le message. Mais le miracle en soi, ce n'est pas directement un message. Ce n'est pas notre message. Mais c'est un élément parmi d'autres éléments de message. Parce que si vous dites que le miracle, c'est ça le message directement, automatiquement, tous ces dénominationnels-là, ils ont le message. L'autre là qu'on appelle Walesa, il fait aussi beaucoup de miracles. Si le message c'est le miracle, Walesa, il a le message de faire Branham. Mugosho au Congo, il fait des miracles. Si le miracle c'est le message, Mugosho, il a le message de faire Branham. Edingwe, il fait des miracles. Alors Edingwe aussi a le message de faire Branham. Le miracle, ce n'est pas directement le message. Mais le miracle, c'est un élément parmi d'autres éléments du message. Et Dieu, il est dans la totalité de sa parole. Donc, malgré que Nimrod a abandonné la parole de Dieu, mais Dieu, il y avait des miracles quand même qui s'opéraient. Il y avait quand même des signes, des prodiges. Mais Dieu n'était pas avec eux. Et vous remarquerez que, à la fin, Dieu était descendu pour détruire complètement ce que Nimrod faisait.
Dieu est descendu, il a détruit la construction de Nimrod, il a détruit l'église de Nimrod, et tous ceux qui étaient derrière Nimrod étaient morts. Tous ceux qui sont derrière des Nimrod d'aujourd'hui, des Nimrod modernes, ils vont se retrouver en enfer. Et la mort de Nimrod, Frère Branham dit, pas Frère Branham, mais selon l'histoire, Nimrod est mort d'une mort compliquée. Il y avait une mouche qui était entrée dans son nez. Et cette mouche est allée, je ne sais pas d'où. Alors sa tête a commencé à faire mal. Il avait toujours des problèmes de la tête. Alors, quand les gens passaient, ils demandaient aux gens de les frapper dans la tête afin que cette moustique puisse tomber. Lui qui était grand, mais Dieu l'a humilié. Une moustique, une petite moustique qu'il avait tuée. Donc, Dieu, c'est lui qui est grand. Quand tu veux être grand, Dieu va t'humilier toujours. Amen. Je vais lire deux citations de Frère Branham. Frère Branham dit, pardon, une citation pour gagner le temps. Frère Branham dit, dans Je Restaurerai, paragraphe 15, il dit, maintenant à vous mes amis catholiques, je vais sauter pour lire en bas pour gagner le temps. Remarquez donc, et là, l'église catholique est apparue dans le livre de la Genèse. Nimrod a établi la première église catholique. C'était la première église. Elle était appelée la porte du ciel ou le paradis. D'abord Babylone, et puis plus tard, elle a été appelée la confusion. Mais Nimrod, le fils de Cham, a établi le royaume babylonien. Et c'est là que l'adoration des idoles a été instituée pour la première fois. Il est allé conquérir d'autres villes et celles-ci payaient un tribut à Babylone. C'est l'image même de ce qui se passe aujourd'hui parfaitement. Frère Branham dit c'est l'image de ce qui se passe aujourd'hui parfaitement. Je répète cette partie. Il est allé conquérir, c'est-à-dire Nimrod, il est allé conquérir d'autres villes. Et celles-ci, c'est-à-dire ces villes-là, ils ont commencé à payer un tribut à Babylone. C'est l'image même de ce qui se passe aujourd'hui parfaitement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui parfaitement. Des petites églises de gauche à droite, et ces églises commencent à payer leurs dîmes ou leurs taxes ou leurs impôts au quartier général. C'est Nimrod. Et dans ces églises-là, vous verrez qu'il y a des frères, ils ont surnommé ça Tabernacle et Bande. Matébele Tabernacle et Bande au Gabon. Mouki Tabernacle et Bande en Chine. Gorille Tabernacle et Bande quelque part. Alors nous, moi je suis dans la diarrhée Tabernacle et Bande. Alors moi je suis dans Yoga Tabernacle Band. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de ministres qui sont en train de chômer, surtout en Afrique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des pasteurs, ils doivent envoyer des ministres dans toutes ces Tabernacle Band-là. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Donc, ça c'était Nimrod. Impoli, mal éduqué, il n'avait pas de respect à Dieu, il n'avait pas de respect à la parole de Dieu. Il donnait ses idées comme il veut, il donnait des ordres comme il veut. Il a mis la parole de Dieu à côté, il a mis Dieu à côté. Et il a fait un nom, il était devenu grand. Mais à la fin, Dieu l'avait confondu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, nous voulons parler de Titanic. Quand cet esprit mauvais de Nimrod, quand cet esprit a quitté Nimrod, cet esprit est venu posséder les boss de Titanic, les milliardaires, les boss de Titanic. Titanic, avant de commencer, Titanic, on a commencé sa construction en 1909. En 1909, la même date de la naissance de William Branham.
Et on a terminé cette construction en 1912. Titanic, c'était un bateau ou un paquebot très, très, très luxueux de ce temps-là. Titanic, selon l'histoire, c'était un bateau jamais construit à ce temps-là. C'était vraiment luxueux. Et ce Titanic-là appartenait même à la classe olympique. C'était un bateau spécial, un paquebot spécial. Mais vous remarquerez que le mot Titanic vient du mot grec. Titanic, c'est un mot anglais. Et Titanic vient du mot grec théétan. Théétan. Et chez les Chaldéens, ils appelaient théétan chétan. Chétan. Donc voilà la source de Titanic. Titanic en anglais. Mais en grec, Titanic, c'est théétan. Donc ce mot anglais vient du mot grec théétan. Et théétan, selon l'alphanumérique de l'alphabet grec, ça donne 666. Théétan. Je crois, si on calcule ça, T, je vais écrire ça ici. Théétan. Le T ici, ça donne 300. Si je ne me trompe pas. Le T là, ça donne 300. Et puis, le E, ça donne 5. Ici, le I, ça donne 10. Le I, ça donne 10. Et le T, ça donne 300. Le A, ça donne 1. Et puis le N, si je ne me trompe pas, le N, ça donne 50. Si tu additionnes ça, ça va donner 666. Donc déjà le nom Titanic ou Téhétan en grec, c'est un mauvais nom. Nous avons dit que quand tu donnes ton business un mauvais nom, ce business ou ce nom influencera ton business. Alors, Titanic en anglais. Chez les Grecs, en grec c'est Téhétan. Et c'est Téhétan donne 666. Chez les Chaldéens, c'était Chétan. Et Chétan, c'est le nom de Satan. Les Chaldéens appelaient Satan Chétan. Nous appelons Satan Lucifer. Mais chez les Chaldéens, ils appelaient Satan Chétan. Chétan, chez les Grecs, c'était Étan. Et c'était Étan, donc 666. En anglais, c'est Titanic. Donc le nom Titanic, c'est un nom codé, c'est un nom satanique, c'est un nom diabolique. Quand les gens voyaient les bateaux Titanic, si réellement ils avaient la connaissance de comprendre ce nom, peut-être ils ne voulaient pas monter dans ces bateaux. Donc, Titanic avait un mauvais nom et ce nom a influencé aussi tous les bateaux. Titanic, tout ce qui s'est passé là-bas, c'était toujours diabolique. D'abord, en commençant par le nom. C'était le nom de Satan lui-même, Chétan. Donc, les bateaux Titanic, son vrai nom, c'est Chétan. Et Chétan, c'est le nom de Satan. Chez les Grecs, c'est Téhétan. Et Téhétan donne 666. Et ce nom Titanic influençait tous les bateaux. Ce nom Titanic influençait même tous ceux qui étaient dans ces bateaux. Ce nom Titanic influençait même les boss lui-même de ces bateaux. Amen. Amen. Quand tu donnes un mauvais nom à ton enfant ou à ton business,
Ce nom influencera toujours, toujours, toujours ton business ou ton enfant. Alors, une autre chose avant de lire Frère Branham. Dans Titanic, il y avait trois classes. La première classe, c'était pour les pauvres, les riches. Les riches. La deuxième classe, c'était les moins riches. Donc, la première classe, c'était des gens fortunés, donc le plus riche. Deuxième classe, moins riche. La troisième classe, c'était des pauvres. La première classe, c'était des riches. La deuxième classe, c'était des moins pauvres. Et la troisième classe, c'était des pauvres complètement. Et les pauvres qui étaient dans la troisième classe ne pouvaient pas aller dans la deuxième classe où se trouvaient les moins riches. Les moins riches ne pouvaient pas aussi aller chez les pauvres. Les moins riches ne pouvaient pas aller aussi chez les riches dans la première classe. Et dans la première classe, les gens fortunés ne pouvaient pas aussi aller chez les moins riches ni chez les pauvres. Donc, il y avait des barrières. Et Frère Branham nous dit que c'est ça la dénomination. La dénomination, c'est pas des frères. Donc, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et c'est ça qui était aussi à l'intérieur de Titanic. Donc, tout Titanic était toujours contre Dieu. Frère Branham dit la dénomination, c'est pas des frères. Le message est venu pour nous réunir. Le message est venu pour briser les barrières. Oh, je ne prie pas chez toi, tu n'es pas mon frère. Même si vous ne priez pas ici, vous êtes toujours nos frères, vous êtes nos sœurs. Je ne prie pas chez vous, je suis toujours votre frère. Quand vous avez des problèmes, je viens vous assister. Quand nous avons des problèmes ici, vous venez nous assister. C'est ça le message. Mais s'il y a des séparations, oh, moi je suis dans ma tabernacle, l'autre il est dans l'autre tabernacle. Oh, nous, il n'y a pas de relation avec vous. Vous êtes ici, dans Titanic. Vous êtes ici dans Titanic. Dieu est toujours contre la séparation. Dieu est toujours contre la dénomination. Dans Titanic, il n'y avait pas de relation entre des pauvres, des riches et des moins riches. Ils étaient tous séparés. Mais quand ils étaient morts, tous étaient morts d'une même manière. Ce n'est pas que les riches ici dans la première classe, ils étaient morts en riant. Et les pauvres ici, ils étaient morts la face fermée. Non, ils étaient tous morts de la même manière. Dieu n'aime pas des séparations. S'il y a des séparations dans votre église, oh, nous ne aimons pas cette église-là. Oh, nous n'avons pas besoin de vous. Vous êtes ici, dans Titanic. Parce que nous ne voulons pas vraiment parler du film de Titanic, mais nous voulons parler de l'histoire réelle de Titanic, parce que Frère Branham aussi l'a dit. Frère Branham a expliqué même tout ce qui s'est passé dans ces bateaux Titanic. Et Frère Branham faisait toujours des parallélismes entre Titanic et les églises d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des séparations comme ça, automatiquement, vous êtes dans une église qui est titanique et votre fin sera grave. Beaucoup de morts comme Titanic. Une autre chose, quand on a fini, on a terminé de construire Titanic, on a commencé à poser des questions au boss de Titanic. On a commencé à lui poser des questions. La première question, il y avait beaucoup de questions, mais je vais prendre deux questions seulement pour gagner le temps. On lui a posé la question, est-ce qu'il y a un bateau comparable à ton bateau Titanic? Le boss de Titanic dit, il n'y a pas un bateau comparable à ces bateaux Titanic. Il n'y en a pas. Au lieu de dire seulement ça, il continue, il va plus loin, il dit que même les bateaux de Noé ne peuvent pas faire face à ces bateaux titaniques. Il a commencé à parler, il a commencé à critiquer les bateaux de Noé, il a commencé à critiquer Noé lui-même.
Ce bateau a été construit avec des bois, mais mon bateau est construit avec des matériaux luxueux. Il a commencé à faire la comparaison entre son bateau et les bateaux de Noé. Le fait seulement de critiquer les bateaux de Noé, il critiquait Dieu lui-même. Parce que Noé n'avait pas un modèle pour construire cette arche. Le modèle venait de Dieu. Les bateaux de Noé, c'était selon les plans et les modèles de Dieu. Le fait de jurer les bateaux de Noé, les bosses de Titanic étaient en train de jurer Dieu lui-même. Il était en train de jurer l'œuvre de Dieu qui était l'arche de Noé. Et il était en train de jurer Noé, le serviteur de Dieu. Il a commencé à parler en mal des bateaux de Noé. C'était construit avec des bois. Mon bateau est construit avec des matériaux luxueux. Et pendant qu'il disait ça, Dieu était calme et il était en train de regarder. Dieu n'était pas descendu directement pour frapper ou pour mettre la confusion. Dieu était calme et il regardait. Pendant que tu fais tes bêtises en cachette, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu es toujours derrière le jupon. Dieu ne viendra pas directement pour te frapper, il te regarde. Mais il t'attend quelque part. Pendant que cet homme de Titanic était en train de critiquer le bateau de Noé, Dieu était calme, il regardait. La deuxième question qu'on lui a posée, c'était, est-ce que ton bateau est vraiment sécurisé? Il n'y a pas quelque chose qui peut renverser ton bateau? Cet homme a dit, même Dieu n'a pas le pouvoir de renverser ses bateaux. Peut-être quand il n'avait pas l'argent, il était humble. Quand il est devenu riche, il est devenu orgueilleux et il a commencé même à injurier Dieu. Il a dit que même Dieu n'a pas le pouvoir de renverser mon bateau. Il n'a pas ce pouvoir-là. Alors, pendant qu'il disait ça, Dieu n'était pas descendu directement pour mettre la confusion ou pour frapper. Dieu regardait toujours. Pendant que tu injuries le serviteur de Dieu, pendant que tu injuries l'œuvre de Dieu, pendant que tu te manques des enfants de Dieu, Dieu te regarde. Il ne va pas descendre directement pour frapper. Dieu regarde. Mais il t'attend quelque part. Cet homme dit que même Dieu n'a pas le pouvoir de renverser mon bateau. Et Dieu l'attendait quelque part. Parce que Dieu est Dieu. Alors, quand ils étaient maintenant dans la mer, avant d'entrer là-bas, je vais d'abord lire ce que Frère Branham dit. Frère Branham nous explique ce qui s'est passé dans Titanic. Un super signe, paragraphe 39, il dit, par exemple, il y a moins de 100 ans, lorsque les experts maritimes du monde résolurent qu'ils étaient si intelligents qu'ils pouvaient donner au monde un signe de leur habileté, qu'ils pouvaient se construire un navire tel qu'il n'y en aurait pas une vague assez puissante pour le faire couler. Et ils appelèrent ce certain navire le Titanic. C'était un mémorial durable pour le monde, montrant que les grands arts de la construction navale avaient atteint la perfection, qu'ils pouvaient montrer au monde que ce navire ne pouvait pas être coulé. Ainsi, malgré toute la sécurité basée sur l'intelligence des constructions et leurs discours, et leurs déclarations et les preuves scientifiques montrant que ce navire ne pouvait pas être coulé, quand donc les choses présentées aux gens comme cela, ils semblent avoir l'assurance que tout est parfait. Aussi longtemps que la recherche scientifique dit que c'est OK, ils traversaient donc l'océan à bord de ce navire. Pendant les voyages, ils se sentaient tellement en sécurité que rien ne pouvait les nuire. Ils se livraient à une grande beuverie et toutes les femmes et tous les hommes à bord, peut-être beaucoup d'entre eux, pourrais-je dire, devenir ivre. Même il dit-on, même les pilotes et les capitaines ainsi que tous les autres. Donc même les capitaines, il était aussi ivre. Il était dans une ambiance totale.
Fabrelin continue de dire, et l'orchestre commença à faire brillamment la noce du jazz, lequel était très en vogue à l'époque, comme les rock and roll que nous avons aujourd'hui. En effet, ils étaient en sécurité, ils étaient dans un navire que l'homme avait offert au monde comme signe de son intelligence, disant que ce navire pouvait affronter n'importe quelle vague ou n'importe quelle mer. Mais pendant qu'ils étaient dans cet état d'ivresse, cela se dirigeait vers les brouillards et le capitaine a dit « Il faut que nous vérifions les moteurs. » Mais le commandant dit « Appuyez sur droit en avant. Nous devons être au port pour une certaine raison. » Pendant qu'ils s'engouffraient dans les brouillards, comme il était maître de la situation, tout d'un coup, il éteint un iceberg et son bras. Et il nous est dit par les poètes qui a écrit la chanson « Dieu par sa main puissante montre que ce monde ne peut pas tenir. » Les grandes réalisations sombra au fond de la mer avec son bord des centaines et des centaines de gens ivres. Cela ne marchera simplement pas. Amen. Amen. Donc, Frère Branham nous explique ce qui s'était passé dans ces bateaux titaniques. Quand ils étaient dans la mer, ils étaient dans une ambiance totale. Il y a deux choses que je vais citer, deux choses que nous allons voir. Selon les enquêteurs, le capitaine de Titanic avait mis à côté les jumelles. Parce que dans les bateaux, les capitaines ont toujours l'habitude de regarder avec des jumelles pour voir s'il n'y a pas des obstacles devant. Mais comme eux, ces capitaines-là, ils étaient tous dans une ambiance totale et Frère Branham dit qu'ils étaient même ivres. Alors, ils ont mis leurs jumelles à côté. Ils étaient tellement en sécurité, ils croyaient que tout va bien. Alors, nous, dans les messages, nous avons aussi des jumelles, surtout des pasteurs. Si un pasteur met les jumelles du prophète à côté, automatiquement, vous êtes en danger. Avec les jumelles du prophète, nous avons vu que ce monde, bientôt, sera détruit par les faits. Mais les dérogationnels ne voient pas ça. Nous, avec les jumelles du prophète, nous voyons que ce monde bientôt sera consumé par les faits. Et nous avons dit que ce ne sera pas la première fois que Dieu va détruire ce monde. Au temps de Noé, il a déjà fait ça. Il a détruit le monde par l'eau. Et avant de détruire le monde au temps de Noé par l'eau, il a d'abord envoyé un homme, un avertisseur au nom de Noé. Avant que Dieu fasse quelque chose, il envoie toujours, il avertit toujours. Noé était là comme un avertisseur, un prophète. Il a averti le monde que Dieu veut détruire ce monde par l'eau. Ceux qui ont crié en Noé, ils étaient sauvés. Ceux qui ont refusé, ils étaient tous morts. Alors, la Bible nous dit que ce monde est réservé aussi à la destruction. Dieu va encore détruire ce monde. Avec les jumelles du prophète, nous avons compris que ce ne sera pas par l'eau, mais ça va être cette fois-ci par le feu. Mais avant que Dieu puisse détruire ce monde, comme au temps de Noé, il nous a envoyé un homme pour nous avertir, un avertisseur, un prophète, au nom de William Marion Branham. Et cet homme nous a fait entrer dans ce nouveau pays, afin que quand Dieu va commencer à détruire ce monde, nous nous serons épargnés. Comme nous avions dit la fois passée, c'est le moment d'entrer dans ce nouveau pays. Donc, avec les jumelles du prophète, nous avons vu que ce monde sera détruit. Les dénominationnels ne voient pas ça. Ils sont en train de porter des mini-jupes, ils sont en train de faire de n'importe quoi, ils n'ont même pas besoin de la parole de Dieu. Quand on prêche ici, ils sont en train de critiquer, mais ils seront surpris un jour. Avec les lunettes des prophètes ou les jumelles du prophète, nous avons vu que courir derrière les jupons, c'est dangereux. Tu vas heurter un bloc de neige comme Titanic. Pendant que tu es derrière les jupons, tu es en danger. Nous avons vu avec les jumelles du prophète et nous sommes tous écartés de toutes ces choses-là. Donc, si un pasteur abandonne le message ou s'il met
la parole de Dieu à côté, il met les jumelles du prophète à côté. Il commence à mettre ses idées de la parole, il commence à mettre ses ordres qui n'est pas la parole de Dieu. Il est comme le capitaine de Titanic et cette église-là va aller heurter un bloc de neige un jour. Ça c'est un. Et deuxièmement, dans Titanic, selon les enquêteurs, le bateau était dans une grande vitesse. Donc, le bateau était dans une grande vitesse. Et nous, dans le message, nous ne pouvons pas courir plus vite que le message. Nous ne devons pas courir moins vite que le message. Nous devons courir selon les rythmes des messages. Si tu cours trop vite que le message, c'est un danger. Tu vas être essoufflé pour rien et à l'enfer, tu vas coincer, tu vas heurter un bloc de neige comme Titanic. Nous courons avec le message, nous courons au rythme du message. Le message est encore à Massina, toi tu es déjà arrivé à Lemba, c'est un danger. Le message est déjà à Lemba, toi tu es encore à Massina, c'est un danger. C'est comme un pasteur qui disait la fois passée que nous sommes déjà, c'est un pasteur qui souffre beaucoup, c'est un pasteur qui a beaucoup de problèmes, il est tellement troublé et il dit que nous sommes déjà dans la grande tribulation. Donc, c'est la grande tribulation. Donc, il est allé trop vite que le message. Donc, nous devons courir selon le rythme des messages. La fois passée, nous avions dit que nous sommes comme des athlètes. Quand nous courons, nous allons courir, nous devons courir selon des lois, selon des règles. Au cas contraire, nous serons disqualifiés à la fin de la course. Amen. Donc, ces bateaux titaniques, les bosses de ces bateaux étaient orgueillées. Les bosses de ces bateaux n'avaient pas le respect aux serviteurs de Dieu. Les bosses de ces bateaux n'avaient pas le respect envers Dieu. Il était orgueilleux. Il n'avait pas besoin de la parole de Dieu. Il n'avait pas besoin de Dieu. Il n'avait pas besoin de l'œuvre de Dieu. Il critiquait. Pas de respect. Impoli. Mal éduqué. Alors, une autre chose. Dans ces bateaux titaniques, Frère Branham dit qu'il y avait une ambiance totale. Il y avait de la musique de rock and roll. Tout le monde dansait. Les femmes nues étaient là, les autres faisaient le sexe quelque part, les autres vivaient. Ils étaient dans une ambiance totale, même les capitaines étaient entrés aussi dans cette ambiance. Et dans ces bateaux, la musique était de gauche à droite, des orchestres. Là-bas c'était Werrason, de l'autre côté c'était Kofi. Et tout le monde chantait, et continuait, tout le monde faisait ça, et continuait. Et soudain, le capitaine a crié. Il a dit, sens, nous sommes en danger. Automatiquement, la musique de Kofi et Kotite a changé à mon Dieu plus près de moi, plus près de toi. La chanson et Kotite a changé à mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. Quand il n'était pas en danger, il n'avait pas besoin de Dieu. Il chantait les musiques de Wera, il chantait les musiques de Kofi. Et quantité, ainsi de suite. Mais quand maintenant le problème est arrivé, ils ont commencé à chanter des chansons de Lifoko, des chansons de Aquala, des chansons religieuses. Mon Dieu, plus près. Et souvent, quand vous attendez un frère, à chaque fois, il est avec vous, il chante seulement mon Dieu, plus près de toi. C'est un frère là, il est suspect. Mon Dieu, plus près. Tous ont commencé à chanter mon Dieu, plus près de toi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème qui est arrivé. Pendant que tu fais l'impudicité en cachette avec des femmes, des prostituées, Dieu te regarde. Un jour, tu vas chanter mon Dieu, plus près de toi, mais c'est Satan qui va venir près de toi. Pendant que tu es en bonne santé, tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu es là en train de faire tes bêtises en cachette et pendant même que tu fais ces bêtises dans ta chambre, peut-être il y a la photo de la colonne de feu là,
il y a la photo de l'ange du Seigneur là, il y a la photo de Yofman là, il y a des bonchis à côté, et des fois, ta prostituée là, il fait un geste là, le bronchite tombe. Pendant que tu fais toutes ces choses-là, Dieu te regarde. C'est le manque de respect à la parole de Dieu. Dieu te regarde. Bientôt, tu vas chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». C'est Satan qui va venir plus près de toi. Pendant que tu es en bonne santé, c'est le moment de profiter pour servir le Seigneur. N'attends pas que des problèmes arrivent ou des maladies arrivent. Pendant que tu es en bonne santé, on a besoin des pianistes ici. Viens nous aider. Viens jouer le piano pour Dieu. On a besoin de diacres. On a besoin de gens. On a besoin de tout le monde pour servir le Seigneur ici. Ici, il n'y aura pas quelqu'un qui va seulement s'asseoir comme ça. L'œuvre est tellement grande, on a toujours besoin de gens. Oh, jeune de ministère, tu es là en train d'écouter les bandes. Ton ministère est en train de rêver. Et beaucoup de ministres aujourd'hui, ils sont déjà en faillite spirituelle. Et d'autres sont en chômage. Malheureusement, dans notre pays ici, il n'y a pas de chômage. Tous les ministres doivent œuvrer, ils doivent servir. Amen. Pendant que tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu escroques les frères, Dieu te regarde. Bientôt, tu vas chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Je prophétise. Bientôt, beaucoup vont chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Continue à faire tes bêtises, comme Nimrod, comme le boss de Titanic, mais bientôt, tu vas chanter cette chanson. Et pendant que je parle ici, c'est Dieu qui te parle. Continue toujours en cachette, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Dieu te regarde. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Bientôt, tu vas chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Et peut-être que ça va être trop tard pour toi. Pendant que tu vas commencer à faire ça, dans les comment, tu vas chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Mais, nous sommes là pour te dire que c'est le moment de servir ton Dieu, c'est le moment de mettre ta vie en ordre. Que tu sois pasteur ou brebis, mettez vos vies en ordre. Si tu as un ennemi quelque part, va arranger. Tu as escroqué un frère, comme moi, beaucoup m'ont escroqué, je vous entends. Venez vous repentir. Tant que vous ne voulez pas repentir, vous avez un problème devant Dieu. Alors, tous ont commencé à chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème qui était devant eux. Et Dieu n'est pas un quado. Parce que quand tu as un problème dans ton pneu, tu vas vite chez le quado pour qu'il puisse arranger le pneu. Et là, tu commences à fonder des conversations. Tu sais, Kabila, tu sais, Tshisekedi. Là, parce que tu as un problème, tu es allé voir le quado. Mais quand tu n'as pas le problème de pneu, tu peux passer le quado comme ça, sans même le saluer. Tu n'as plus besoin de lui. Quand tu auras encore besoin de lui pour ton pneu, tu viens. Ah, bonjour. Ah, ça va. Vraiment, tu es gentil. Beaucoup parlent de toi. Ça, c'est là. Tu commences à flatter. Dieu n'est pas un quado. Quand tu n'as pas besoin, tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin de lui. Quand tu es malade, tu as besoin de lui. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu as besoin de lui. Quand tout marche bien, tu n'as pas besoin de lui. Bientôt, vous allez chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Et beaucoup des églises aujourd'hui, ils vont chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Frère Branham nous a dit que tous les pays tremblent. Et même les églises aussi tremblent. Les églises, ils sont déjà au courant que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Des pasteurs qui conduisent des églises avec leurs idées, avec des ordres qui n'est pas la parole, bientôt ces églises-là vont chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Mais c'est Satan qui va venir tout près de vous, si vous ne voulez pas vous repentir. Alors, nous continuons pour terminer. Nous parlons du respect. Dans notre pays ici, nous avons des lois très fortes.
Nous avons parlé de la télévision, de la culotte, et aujourd'hui nous parlons du respect. Nous avons commencé en Genèse pour venir jusqu'à notre temps, pour vous montrer les esprits qui ont dérangé les gens de ce temps-là, et c'est le même esprit qui dérange les gens d'aujourd'hui. Nimrod impoli, les boss de Titanic, lui aussi la même chose, il n'avait pas besoin de Dieu, il ne respectait pas Dieu, il n'avait pas besoin de la parole de Dieu. Alors, Frère Branham dit que le même esprit possède aujourd'hui beaucoup de pasteurs, mais seulement cet esprit révèle dans le christianisme aujourd'hui. Le manque du respect, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Je vais lire quelques citations de Frère Branham, peut-être deux citations. Après, je vais parler peut-être 5 à 10 minutes pour le respect. Et après, nous allons clôturer. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit dans un super signe. Frère Branham dit, pour gagner le temps, je lis l'écriture sur l'amiral. Il dit, cette grande nation pécheresse, un jour vos rock'n'roll vont s'arrêter. Si vous ne voulez pas écouter la voix des prédicateurs, donc moi. Frère Branham dit ceci. L'écriture sur l'amiral, paragraphe 53. Oh, cette grande nation pécheresse, un jour vos rock'n'roll vont s'arrêter. Si vous ne voulez pas écouter la voix d'un prédicateur, donc il faut remplacer ce prédicateur par mon nom. Un jour, vous écouterez la main de Dieu au jugement. Mais le rock'n'roll s'arrêtera. Tout comme l'orchestre de filles et joie plus près de toi. Mon Dieu, sur le Titanic, un jour vous allez changer cette heure. Et la musique s'est arrêtée. Ils ont remarqué que l'air plaisantait, l'air star de télévision se trouvait là. Les genoux s'entrechoquant comme ils voyaient cette grande chose se produire. Eh bien, dit-il, toutes les mirailles sont fermées. Mes gardes se tiennent aux portes, mes hommes de choix. Frère Branham dit, un jour, vos bêtises vont s'arrêter. Comme ces gens de Titanic, ils ont chanté mon Dieu plus près de toi. Bientôt, vos bêtises vont prendre fin. C'est Frère Branham qui le dit. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Si vous n'avez pas du respect, il y a des conséquences qui arrivent. On a commencé avec Nimrod. Manque de respect et la conséquence était arrivée. Dieu a envoyé une mouche. Et cette mouche-là est entrée dans son nez et cette mouche est allée déranger son cerveau. Lui qui était grand, Dieu l'a abaissé par une mouche. Nous avons vu des boss de Titanic. Ils sont nombreux même dans la Bible, même les canastères et ainsi de suite. Les boss de Titanic, la même chose. Donc, tellement il était orgueilleux, Dieu a confondu son œuvre qui était son bateau, Titanic. Deux pasteurs qui sont possédés par ces esprits, il faut les quitter. Au cas contraire, vos églises qui sont des Titanic vont heurter un bloc de neige. Et vous allez tous, sans pitié, mourir, même des bébés. Et vous allez chanter mon Dieu plus près de toi. C'est le Satan qui viendra plus près de vous. Avertissement, puis jugement. Dieu exige le respect à ses serviteurs, à lui-même, même aux enfants de Dieu. Alors, il y a des conséquences. Si tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas les enfants de Dieu, tu ne respectes pas l'œuvre de Dieu, tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, Frère Branham dit quelque chose va venir sur toi. Je vais lire quelques conséquences, peut-être deux.
celle de Frère Branham. Et après, nous allons lire quelques conséquences pendant que William Branham donnait son message. On ne se moque pas de Dieu. Nous allons parler d'abord de John Lennon. Suite à une interview à la presse américaine, John Lennon dit: le christianisme va se rétracter, il va disparaître. Moi, je n'ai pas besoin de discuter sur ce thème. J'en suis sûr, Jésus était légal, mais ses enseignements étaient très simples. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. Non, ce n'est pas ça. Tancredo Neves, c'était un homme comme toi et moi. Il n'avait pas de respect envers Dieu. Il était impoli, il était mal éduqué, mais Dieu a pris soin de lui. Tancredo Neves, écoutez l'histoire. À l'occasion d'une campagne présidentielle, Tancredo Neves dit que si son parti gagnait par 500 voix, Dieu ne lui retirerait pas la présidence de la République. Les voix, il le reçut, mais la présidence lui fit enlever un jour avant la prise du poste. Ça, c'est la conséquence. Je répète, à l'occasion d'une campagne présidentielle, Tancredo Neves dit que si son parti gagnait par 500 voix, Dieu ne lui retirerait pas la présidence de la République. Les voix, il le reçut, mais la présidence lui fit enlever un jour avant la prise du poste. Dieu l'a corrigé. Une autre personne, c'était Brizola. En 1990, lors d'une autre campagne présidentielle, Brizola dit qu'il acceptait même l'appui du diable pour devenir président. Quand la campagne prit fin, Collor fut élu président et Brizola n'atteignit même pas la seconde position. Troisième, pour terminer, lors d'un concert à Canaçao, à Rio de Janeiro, Cazuza aspira une bouffée de fumée d'une cigarette forte et l'expulsa vers le haut en disant: « Dieu, ça c'est pour vous. C'est horrible de vous dire comment cet homme mourit. » Ça, ce sont des conséquences. Quand il manque de respect à Dieu ou au serviteur de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, il y a toujours des conséquences qui vont venir sur toi. Ça ne peut pas manquer. Il y a toujours, toujours des conséquences. Et tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Tu manques le respect à un frère ou à une sœur ou à un serviteur de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, tu le fais automatiquement à Dieu. Oh, l'ongwa kuna. Tu as dit à Dieu l'ongwa kuna. Donc, le manque de respect envers un frère, un serviteur, tu le fais directement à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à Dieu. Nous avons lu beaucoup de citations et de versets la fois passée quand nous avions parlé de l'amour. Donc, si tu ne respectes pas le serviteur de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Et Frère Branham dit que quelque chose va toujours venir. Des serviteurs comme Ewald Frank et Barillier, en réalité, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé pour l'Afrique. C'est vraiment nos papas à nous. C'est eux qui ont commencé le message, par exemple, au Congo. Et à partir du Congo, toute l'Afrique a reçu le message. Ce sont des icônes au Congo. Ce sont des gens qui ont travaillé, qui se sont sacrifiés pour nous. Mais aujourd'hui, les gens du message ne les considèrent pas. Les gens du message les critiquent. Les gens du message parlent mal de ces deux serviteurs. Même Barillet, quand il était mort, on n'a même pas annoncé dans des églises qu'un géant est parti. Alors que c'est eux qui ont fait que nous puissions avoir les messages aujourd'hui. Ce sont nos papas. Avec la brochure de Suisse, le message est entré au Congo. Avec cette brochure de Suisse, le ministère des gens ont commencé à œuvrer. Avec cette brochure de Suisse, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas la brochure de la voix de Dieu, mais c'était la brochure de Suisse. Ces gens, ils se sont sacrifiés pour nous. Dieu les a utilisés pour nous.
Mais aujourd'hui, on les considère même pas, on les critique, on dit de n'importe quoi. Frère Branham dit, quelque chose va venir sur vous. Ton père, même s'il commence à faire caca dans les habits, tu dois toujours le respecter. Quand ton papa commence à faire pipi dans les habits, tu dois toujours le respecter. Quand tu n'avais pas les habits, toi, lui, il faisait tout pour te vêtir. Il a tout fait pour que tu puisses aller à l'école. Il a tout fait pour que tu puisses bien parler français. Il a tout fait pour que tu puisses trouver un bon boulot. Quand il est devenu vieux, il est fatigué, il commence à faire des bêtises, tu commences à les critiquer, tu n'as plus besoin de lui. Frère Branham dit, quelque chose viendra sur toi. Je vais lire cette citation. Donc, tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons automatiquement à Dieu. Tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Frère Branham dit, même le prêtre des catholiques, tu dois les respecter. Un jour, il y avait une soeur qui était venue voir Frère Branham parce qu'il était malade. Si je ne me trompe pas, elle ne mettait pas au monde. Frère Branham dit, je ne prie pas pour toi. Je vois que en 1900, tu avais injurié un prêtre des catholiques. Et le même jour que tu as injurié ce prêtre des catholiques, Dieu t'avait frappé. C'est ça la raison de ta maladie. Va seulement demander pardon à ce prêtre-là, et Dieu va te pardonner, ta maladie va disparaître. Cette fille est allée voir le prêtre. Il dit au prêtre, mais tu sais, un jour je t'avais juré, c'était en 1900 tel. Le prêtre dit, oui, je me souviens. Alors, elle dit au prêtre que Dieu m'avait frappé ce jour-là, c'est pourquoi je ne mets pas au monde. Alors, pardonne-moi et prie pour moi. Dieu va me guérir. Le prêtre dit, je te pardonne. La fille est retournée voir Frère Branham. Frère Branham, quand elle regarde la fille, elle voit une vision. Il a dit à la fille que tu es guéri. Donc, le même jour qu'il a demandé pardon, le même jour qu'il était guéri de sa maladie. Donc, même un prêtre des catholiques, tu n'as pas le droit de l'injurier. Même un prédicateur du groupe de prière, même Mahomet, même Simon Kimbangu, tu n'as pas le droit de l'injurier. Il faut respecter le serviteur de Dieu, respecter aussi l'œuvre de Dieu. Si vous ne respectez pas, quelque chose va venir sur vous. Il n'y a pas de grand pasteur ou de grand serviteur, même un petit par rapport à toi, tu dois le respecter. C'est un serviteur de Dieu. Si tu ne respectes pas, quelque chose va venir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des impolis dans les messages. Ce sont des étrangers. Nous, dans notre pays, nous n'avons pas des impolis. Si vous voyez un frère impoli, mal éduqué dans ses messages, c'est un étranger. Oh, the young people, c'est bien. C'est une prophétie. Mais nous devons respecter nos vieux. Nous devons respecter nos papas. Quand nous étions des petits, ils nous ont donné à manger. Respecter tout le monde. Il n'y a pas de young people impolis. Parce que même dans les young people, nous avons trois sortes de gens toujours. Dans un groupe, nous avons des véritables, des soi-disant et des incrédules. Alors, dans les young people, nous avons aussi trois groupes. Nous avons des impolis. Nous avons des vrais young people. Nous avons aussi. Ceux qui sont au milieu. Donc, des impolis, ceux qui sont au milieu, et nous avons aussi des véritables young people. Un véritable young people, il doit respecter le vieux, il doit respecter tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas que, oh non, ils sont déjà vieux, alors on a plus besoin d'eux. Non, on a toujours besoin d'eux. Et tout ce que nous allons prêcher, c'est la même chose avec ce qu'ils ont prêché. Mais seulement peut-être, nous avons une onction différente un peu.
Donc nous pouvons aller encore plus loin, nous pouvons encore creuser plus loin la même situation que le vieux on lit, et c'est la même situation que nous avons aussi lu, mais peut-être dans des angles un peu différents. Mais c'est la même situation de Frère Branham. Quand les vieux, ils n'ont pas prêché le message, c'est nous maintenant qui vont commencer à prêcher le message. Ça, ce n'est pas le message de William Branham. Les vieux, ils ont fait leur part, et nous aussi, nous allons faire notre part. Nous allons respecter nos vieux. Et aujourd'hui, si nous crions, Luc 17 et 30, Zacharie 14 et 7, je peux citer un pasteur qui mérite un monument au Congo. C'est le pasteur Dioka. Il a beaucoup. Il s'est sacrifié beaucoup pour ce message. Aujourd'hui, nous avons bien compris Luc 17 et 30, Zacharie 14, 7, c'est quoi? Si nous sommes sincères, Dieu a utilisé ce pasteur. William Branham a donné le message. Mais les Éphésiens 4, leur mission, c'est de rassembler toutes les citations de Frère Branham pour éclaircir, pour donner le tableau complet aux gens. Le tableau clair. C'est ce que cet homme a fait. C'est un vieux, mais il nous a beaucoup aidés. Et même aujourd'hui, il continue toujours à nous aider. Le pasteur Barouti, ainsi de suite. Le pasteur Amissi, ils sont nombreux. Ce sont nos vieux, même le pasteur Agnon qui est en Belgique, je crois. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup contribué à notre foi. Nous allons les respecter, nous allons respecter pasteur Barouti, nous allons respecter pasteur Dioka. Frère Branham dit, peu importe ce qu'ils font, respectez-les. Peu importe ce qu'ils font, respectez-les. Même s'ils disent des déclarations qui n'est pas dans le message, respectez-les. Prends cette déclaration, mets ça à côté, mais respectez l'homme. Ne critiquez pas. S'il y a un problème, va le trouver. Parle avec lui. Quand vous parlez en mal de serviteur de Dieu, parce que nous n'avons plus de temps, je crois que vous connaissez l'histoire de Myriam. Selon la loi qui était en Israël, il ne pouvait pas se marier en dehors d'Israël. C'est Moïse qui a amené cette loi, mais lui-même Moïse, il est allé se marier à une Éthiopienne, une étrangère. Myriam et Aaron, quand ils ont regardé les messages de Moïse, ils ont vu que non, c'est contraire au message. Au lieu d'aller trouver Moïse, ils ont commencé à murmurer. Dieu a frappé Myriam. Donc même si ils font des choses qui n'est pas dans les messages, respectez-le, mais prends la chose là qui n'est pas dans les messages, mets ça à côté. Mais respectez l'homme pour son service qu'il fait pour le Seigneur. Frère Branham dit, peu importe ce qu'il fait, respectez-les. Il dit ça ici, dans cette brochure de respect. Paragraphe 165, il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en les dénigrant et les ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle de l'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors les respecter de cette manière. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Donc, peu importe ce que le pasteur peut faire, ce que le serviteur de Dieu peut faire, vous devez toujours le respecter. Même s'il tombe avec une femme, même si ils font des bêtises, vous devez toujours les respecter. Surtout des gens qui sont habitués avec des serviteurs de Dieu, des amis ou des femmes de pasteurs, c'est eux que Dieu frappe beaucoup.
Ils sont habitués, surtout les femmes des pasteurs, comme Meda avait claqué la porte à Frère Branham, et Dieu est venu pour tuer Meda. Frère Branham est venu pour intercéder. Donc c'est toujours comme ça. On ne s'habitue pas avec Dieu. Oh, voilà Zapiringa. Quand tu es près de l'homme, tu vois ses faiblesses, tu ne vas plus le louer, tu ne vas plus le respecter. Quand tu es de loin, tu vas le respecter. Quand tu es tout près de l'homme, tu vois ses faiblesses, c'est fini. Plus question de respect. Et quand tu ne respectes pas, quelque chose va venir. Frère Branham dit ceci. Voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte et Dieu exige cela. Il réclame le respect, oui, Dieu le réclame et la crainte l'amène. Nous savons que la crainte amène le respect. Toujours dans cette brochure de respect, Frère Branham dit ceci, et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs, comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Et lorsque vous respectez ses serviteurs, vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Jésus, n'as-tu pas dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ce plus petit de mien, c'est à moi que vous les avez faites. Frère Branham dit encore, c'est le moment, toujours dans cette brochure de respect, paragraphe 68. C'est le moment de garder votre position, c'est le moment de respecter les messages. C'est le moment de donner gloire à Dieu. C'est le moment de respecter les messages. Ne donnez pas des ordres, ne donnez pas des idées dans les messages. Frère Branham dit, c'est le moment de respecter les messages. Alors, une dernière citation, toujours dans le respect, paragraphe 82. Et si c'était l'attitude de Dieu à ce temps-là, et Dieu ne peut pas changer, Dieu veut que nous respections ce qu'il fait. Il exige, il dit, ou bien vous respectez cela, ou bien quelque chose d'autre va arriver. Ou bien vous respectez, ou bien quelque chose d'autre va arriver. Vous ne respectez pas quelque chose obligatoire, ça va arriver sur vous. Amen. Donc, Dieu exige le respect. Du vivant des frères Branham, beaucoup étaient maudits, beaucoup étaient morts à cause du manque de respect à William Branham et à ce message. Je vais lire deux citations seulement parce qu'on n'a plus de temps. Je lis une citation. J'ai entendu parler des trois garçons qui, une fois, se manquèrent de la communion à l'église. J'en ai entendu parler. Ils allaient dans leur chambre d'hôtel et avec des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky. Ils eurent là-bas leur communion, se manquant de la communion qu'ils avaient dans une église pentecôtiste. Moins de trois mois plus tard, tous les trois étaient. L'un était mort et les deux autres étaient dans une maison d'aliénés. La maison à Batomaboma. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour terminer, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille. Tenez-vous en éloigné. Faites cela ou alors venez avec révérence et respectez-les. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne parlez pas des gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-le tranquille. Donc, nous avons terminé aujourd'hui pour notre prédication. Donc, le respect, c'est ce que Dieu exige. Respectez tout le monde. Si je te respecte, je respecte Dieu. Tu me respectes, tu respectes Dieu. Tu respectes l'œuvre de Dieu, tu respectes Dieu. Tu ne respectes pas, quelque chose va venir sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui, des fois, c'est difficile pour que je prie directement
Quand quelqu'un est malade ou il a des problèmes, je dois d'abord prier, chercher la face de Dieu. D'où vient cette maladie? D'où vient cette malédiction? Beaucoup aujourd'hui sont maudits à cause de manque de respect. Et quand toi tu viens rapidement pour prier, tu es en train de combattre Dieu. Et cette prière ne peut pas être exaucée. Beaucoup sont des malheureux aujourd'hui, beaucoup sont pauvres, beaucoup sont des fous aujourd'hui à cause du manque de respect. Dieu les a frappés. Et quand vous venez prier pour eux, pas de réponse. Alors, avant de prier pour quelqu'un, il faut d'abord prier. Pour terminer avec un témoignage. Il y avait un jour un homme, quelque part au Congo, dans un village. Lui, il était comme Nimrod, comme le boss de Titanic. Quand on faisait des campagnes, il était là pour jeter des pierres. Il était là pour mettre des distractions, pour déranger les gens. Il critiquait les serviteurs du message, il parlait de n'importe quoi. Un jour, pendant qu'il critiquait, sa bouche était restée ouverte comme un crocodile. Comme un crocodile. Sa bouche est restée ouverte, ça ne se fermait plus. Alors, on lui pose des questions. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne parlait pas, il écrivait seulement que j'ai critiqué les serviteurs du message, j'ai critiqué Febranam, j'ai critiqué l'œuvre de Dieu. Il a écrit qu'on puisse l'amener dans une église où il critiquait ces pasteurs-là. On l'a amené là-bas. Quand les pasteurs veulent prier, la prophétie est sortie que c'est ma main. Ne prie pas pour lui, c'est ma main. Je l'ai frappé à cause du manque de respect. Et on n'a pas prié pour cet homme, on l'a mis à côté. Pour qu'il ne puisse pas mourir de faim, à midi, on lui donnait toujours à manger. Mais comme il ne pouvait pas manger, sa bouche était restée ouverte comme ça. On jetait seulement des boules de foufou et des viandes. Donc Dieu l'a humilié complètement. Sa bouche était devenue comme un poteau de football et on jetait des boules de foufou. Les frères ont commencé à jouer avec cet homme. Donc Dieu l'a humilié. Dieu exige le respect pour ses serviteurs, pour son œuvre, pour ses enfants. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la...